Il pleut. Ce mardi 13 décembre 2011 à midi, il pleut. Et Liège, vu par les caméras de surveillance du centre-ville, semble si triste. Le marché de Noël est désert. Il a été fermé la veille à cause de la tempête. À quelques mètres de là, la seule couleur qui tranche dans la grisaille de la place Saint-Lambert, c'est le jaune sale des autobus qui font la ronde. Ils viennent charger les nombreux étudiants qui rentrent chez eux après leurs examens. Il pleut. Et à 12h28, à 500 mètres de là, une caméra de surveillance capture l'image furtive de cette camionnette blanche, la silhouette fantomatique du conducteur. Le destin est en route, rien ni personne ne l'arrêtera. À 12h32, les images muettes de la place Saint-Lambert. Sous l'abribus, plusieurs personnes sursautent. Dans le ciel, un vol de pigeons semble fuir on ne sait quoi. Puis subitement, la foule se met à courir. Un policier arrive sur place, il lance le premier appel radio vers le commissariat. On entend des déflagrations, place Saint-Lambert, plusieurs blessés. Il peut déjà envoyer ambulance sur place. Place Saint-Lambert, à la limite, tire sur la foule. Place Saint-Lambert, tout feu, à la limite, tire sur la foule. Oh, amène-moi du renfort, ambulance, au moins trois blessés au sol. Le policier arrive devant l'abribus. Les vitres explosent. Ah, c'est les grenades ! Envoyez un renfort ! Plusieurs blessés au sol ! Place Saint-Lambert, près des arrêts de bus ! C'est lancé des grenades ! Dans le hurlement des sirènes et les cris de terreur, chacun cherche à sauver sa peau, à s'abriter, à fuir. J'ai envie de vous poser deux, trois questions. Non, désolé, vraiment pas. Et très vite le bruit court. Il y aurait plusieurs tireurs. Il serait peut-être un risque à l'envers. Delta et Charlie. Vous rendez Garis à l'envers où le suspect se serait retranché. 351, je prends la place. On maîtrise la situation, on arrive. On court dans tous les sens. On tente de joindre ses parents, ses enfants, ses amis. Mais les réseaux de GSM sont saturés, c'est la panique à Liège. Que personne ne sorte tant qu'à présent, tant que la police est en train de faire le travail, ne sortez pas, restez bien à l'intérieur. D'accord ? Pourtant, un seul homme a créé ce chaos. Un seul tireur. Et il est là, sur la dalle de béton qui surplombe la place Saint-Lambert, couché, sans vie. Il y a un auteur au sol, au-dessus de la galerie du Tech. Au-dessus, l'individu est porteur d'armes. Il est au sol, balle dans la tête. L'individu est décédé. Avant de se suicider, c'est lui qui a semé la mort et la désolation. Tué 6 personnes, blessé 123 autres, brisé des vies, détruit des rêves. C'était à Liège le 13 décembre 2011. C'était chez nous.